Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne sais pas où on est. On est sur la crête au sommet du Chasseral. On est en train d'aller à l'antenne et on est en train de se faire poursuivre par ce joli petit nuage là. Donc c'est assez fou parce que à droite, il y a une frontière. Il fait quand même grand beau à droite et là derrière on va se faire rincer. Il y a un petit suspense là, on sait pas si on va se faire rincer ou pas, ça va être marrant. Ça va être marrant. On va quand même essayer de vous faire des belles images, vous faire découvrir un peu l'endroit. Puis voilà, on va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. Bon ben, on s'est pris la tempête. J'ai plus besoin de ça. Ça réveille, hein, parce que c'est même pas de la pluie, c'est de la grêle. Ouf. Mais c'est propre et franchement la vue elle est cool hein. C'est plutôt cool de monter jusqu'ici. Non, on va attendre à peu près une vingtaine de minutes. Oh super, désolé, pas très propre. On va attendre une vingtaine de minutes, ça va se calmer, après le soleil va revenir et on vous fera d'autres plans pour vous montrer un petit peu parce que là je vais aller me mettre à l'abri. Bon alors je vous présente la vue, donc juste en face vous avez le lac de Bienne, un petit peu plus là-bas vous avez le lac de Neuchâtel et juste derrière le lac de Morat. Et ce qui est magnifique en fait ici comme vous pouvez le voir, c'est que on a la vue sur les trois lacs. Voilà, c'est pas mal hein. Et maintenant on va redescendre pour aller au Bison Ranch. On va aller rencontrer une famille qui fait actuellement le tour de Suisse sur 4 mois. On va aller leur dire bonjour et ils vont vous expliquer le concept de leur voyage. Je m'appelle Alessia, j'ai 35 ans, on habite à Prilly et on est en voyage depuis 3 semaines. Je m'appelle Roxane et j'ai 8 ans. Je m'appelle Jade, j'ai 10 ans. Je m'appelle Margot et j'ai 8 ans. Je m'appelle Fred et j'ai 40 ans. On est parti en voyage pour faire un tour de la Suisse en 4 mois. Notre but c'est de faire un voyage durable et d'apprendre à nos enfants que c'est possible de voyager tout en respectant la planète. Et puis notre but justement c'est de prendre des moyens de transport le plus durable possible. Là on est dans le Jura bernois, on a traversé tout le Jura en roulotte. Bientôt on fera du bateau solaire. Qu'est-ce qu'on fera d'autre les filles encore? À pied dans les grisons. Ouais, qu'est-ce qu'on fera encore? À roller et en vélo. Voilà, roller et vélo encore. Ouais, donc on a commencé par Vevey, ensuite on a fait Chiètres, Berne, le Jura. Là on a bien profité dans le Jura, on a fait un bon mois dans le Jura, c'était une région qu'on avait envie de découvrir. Et puis après on va continuer avec la région des Trois Lacs, on partira sur le canton de Berne, et puis la Suisse centrale, après on ira dans le nord de la Suisse. On va aller près du lac de Constance, on va faire la Turgovie, la Penzel, redescendre sur les Grisons, le Tessin, le Valais, et on revient en fait, on fait une boucle assez horaire de la Suisse. Juste derrière moi, il y a la roulotte avec laquelle la famille a commencé son périple, donc on peut vraiment voir que c'est rudimentaire, normalement c'est tiré par un cheval. Du coup, ils vont continuer encore une semaine leur trajet avec cette roulotte, donc ils sont 5 dedans, tirés par un cheval. Faut du courage parce qu'en plus la météo cette semaine elle est vraiment pas glorieuse. Ils ont commencé il y a 2 semaines et ça fait 2 semaines qu'il pleut pratiquement sans interruption et qu'il fait pas beau. On leur souhaite beaucoup de courage pour la suite. Bon ben, on arrive déjà au terme de cette vidéo. On espère que les quelques images que vous avez vues vous ont plu. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, on vous met un lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de loisirs.ch et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.